Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va, comme convenu, corriger l'exercice qui traite la semelle superficielle de l'examen de la session juin 2019. Et la semelle donnée dans cet exercice est une semelle qui est carrée. Alors, je vais relire encore une fois le sujet, l'exercice, et on va le corriger ensemble. Alors, la semelle dans l'énoncé, l'énoncé de l'exercice. Dans cet exercice, on veut déterminer les dimensions et le ferraillage. Dimension, c'est-à-dire le coffrage de la semelle. Le ferraillage, c'est la quantité d'acier d'une semelle sous un poteau isolé de section carrée A égale B égale à 30 cm. Le poteau reçoit un chargement centré équivalent à 1 G. La charge permanente est de 60 tonnes. La charge variable 15 tonnes. Le sol support admet une contrainte de calcul direct sigma Q égale à 3 bar. Ici, pas la peine de faire le calcul de sigma Q, il est donné directement. Si on ne donne pas sigma Q, il faut déterminer sa valeur depuis la pression limite Q ultime ou bien QU qui est donnée par l'essai de pressiométrie. Généralement. Ici, sigma Q égale à 3 bar. Le poids volumique du béton armé et de 2500 décanétons par mètre cube, et l'acier à prévoir est de nuance Fe400. Les fissurations sont préjudiciables et un enrobage de 5 cm est à prévoir pour les armatures. La première question, c'est de calculer les dimensions de la semelle. On suppose pour le premier calcul, on estime le poids de la semelle, c'est 1,5 tonnes. Deuxième question, on remplace G0 par le poids réel de la semelle et vérifier la portance du sol. Dans la suite de l'exercice, on donne directement les valeurs avec lesquelles on va calculer la semelle, c'est-à-dire A est égal à B égal à 2 mètres et H 60 cm. Donc même si on fait une erreur de calcul, on reprend depuis la troisième question les valeurs données dans l'énoncé. Troisième question alors, calculer les armatures dans les deux sens de la semelle. Choisir les armatures ainsi que l'espacement dans les deux sens et compléter le schéma de ferraillage dans la page annexe. La page annexe, bon, n'est pas disponible ici, mais on donne le schéma de la semelle et on veut déterminer ou bien le schéma de la semelle. Le poteau, c'est un poteau carré, donc on a A est égal à B, est égal à 30 cm. A égale à B égale à 30 cm. Et une semelle, pour la calculer, elle doit respecter une semelle homothétique, c'est-à-dire A sur B est égal à A' sur B'. Or, A égale B, dans ce cas, nous allons avoir une semelle de même forme que le poteau. Si le poteau est carré, la semelle, elle est aussi carrée. Si la semelle, elle est carrée, on aura A' égale à B'. On va déterminer. Par quoi on va déterminer ceci? On va le déterminer en fonction de l'effort appliqué sur la semelle NU. Donc la première question, la dimension de la semelle. NU, c'est quoi? C'est la charge ultime appliquée sur la semelle. Et elle correspond à deux chargements. On a dans l'énoncé NG et NQ. Si on travaille à l'état limite ultime, on va majorer ces valeurs par des coefficients. Donc le premier calcul à faire, ce sont les efforts. À l'état limite ultime, on majore par 35% la charge permanente et 50% la charge variable.
Un jet, on a dit, c'est 60 tonnes. 60 tonnes. C'est 0,6 méga-newton. J'ai vu dans le devoir encore des étudiants qui ne peuvent pas faire la conversion des unités. Ou hatta les unités. Pour moi, une valeur sans unité, elle est fausse. Rate. Ici, 15 tonnes. 15 tonnes, c'est 0,15 méga-newton. Non. Vous avez tout. Dans l'énoncé, vous avez les formules. Donc la formule, elle est là. Il suffit juste de remplacer les paramètres dans la formule. Si vous mettez une valeur avec la mauvaise unité, pour moi, c'est faux. Après, je suppose que la valeur elle est juste et je continue la correction si c'est comme elle était, si c'était juste. Mais pour la question de déterminer, par exemple, à un moment, je trouve ceux qui mettent une unité du moment fléchissant, décanewton par mètre carré. Décanewton par mètre. C'est faux pour moi, c'est pas juste. Mais, alors ici, ça donne 1,35 fois 0,6 plus 1,5 fois 0,15. Ici en méganewton, bien sûr, le méganewton, j'ai déjà dit que c'est une unité très 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 grande. Un méganewton, c'est 100 tonnes, donc c'est énorme. Il faut faire attention avec cette unité. Je prends quatre chiffres après la virgule pour ceci. Je trouve que la charge NU ou bien PU ou bien la charge ultime sur le poteau est égale à 1,035 méganewton. 350. 0,350. Donc c'est 103 tonnes la charge appliquée, 103 tonnes, 500 kg. G0, on ne sait bien, on ne sait pas combien le poids propre de cette semelle. Soit on l'estime nous-mêmes, ou bien elle est donnée directement dans cet énoncé. Elle est égale à 1,5 tonnes. Et 1,5 tonnes, c'est 0,015 méganewton. La contrainte de calcul dans le dans sur le sol de, bien du sol, c'est 3 bar. Le bar, c'est le kilogramme par centimètre carré. Il faut le convertir aussi en mégapascal. Donc c'est 0,3 mégapascal. 0,3 mégapascal. Je veux avoir toujours le mégapascal qui est égal au méganewton par mètre carré. Si je respecte ceci, tous les calculs vont être bons. Bien sûr, les unités seront concordantes. La formule est donnée pour le calcul de A' fois B'. C'est quoi A' fois B'? C'est toute cette surface. On va faire un dimensionnement. Ce dimensionnement, il est par rapport à cette surface. Ça, c'est la surface de contact de la semelle avec le sol. Et A' B' est supérieur ou égal à PU, bien NU, je laisse NU, plus 1,35. Parce que je travaille à ta limite ultime, fois G0, divisé par la contrainte de calcul du béton, du sol. Or, A' égale à B', donc elle est chou les B au carré, supérieur ou égal à NU plus 1,35 G0.
sur la contrainte de calcul de sol. Je remplace ici Nu par sa valeur, 1,035 plus 1,35 fois 0,015 sur 0,3. Et pour retrouver B, c'est la racine carrée de tout ça. Ça donne B prime, plutôt B prime, supérieur ou égal à racine de 3,495 et la racine carrée de 3,5 c'est à peu près 1 mètre 8 6 9. Donc ici c'est méga newton sur méga pascal, ça donne le mètre carré et la racine carrée du mètre carré sur le mètre. Ici, je vais faire un choix. Donc, les dimensions de la semelle sont des multiples de 5 cm. Je ne peux pas laisser en millimètres, donc je vais faire ça en multiples de 5 cm. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour B'? Hein? Combien? 1,9, voilà. 1,9 mètres. Donc c'est, elle doit être supérieure à cette valeur. Et la première valeur qui vient, qui est multiple de 5 cm, parce que ici c'est 186,9 cm, c'est 1,9 mètres. Pour le calcul de la hauteur H maintenant. Via H. J'ai besoin de déterminer tout d'abord D. C'est D que je vais calculer. Et selon la méthode Libienne, bien la méthode, on fait B' moins B sur 4 et on ne doit pas dépasser B. Ou bien, oui, dans le cours, on a noté D01 qui est égal à B' moins B sur 2. Donc, si nous avons notre semelle en élévation, ça c'est B', ça c'est B, D01. C'est B' moins B sur 2. Voilà. B' moins B, on a dit 1 mètre 90 moins 0,3. 30 cm, c'est 0,3 sur 4. D. Et ici, 1,90 moins 0,3. Parce que c'est la semelle, elle est carrée. Hein. C'est 1,60 m en mètre. Mais elle va me donner 1,60 m sur 4, c'est 40 cm. D01 sur 2. D et 1,60 m. Donc c'est comment calculer ceci. Alors c'est inférieur ou égal. Donc mon choix, donc soit D est égal à 40 cm. Je pourrais prendre 45, mais ça sera une charge de plus sur le sol. Une charge de plus sur le sol. Ben, si D égale à 40, H égale à combien?
Donc, c'est D plus 5 cm d'enrobage. L'enrobage, c'est la distance qu'on doit laisser entre la semelle, le bord de la semelle et les armatures. Donc, D plus 5, ça donne 45 cm. En finale, quelles sont les dimensions de la semelle? Donc, notre semelle, elle fait 1,90 m fois 1,90 m fois 45 cm. Ou bien, c'est 0,45 et pour respecter les mêmes unités, c'est ici, mètre. B. Voici la réponse à la première question. A' égale B' égale à 1,90 m et H égale à 0,45 mètres ou bien 45 cm. Ensuite, je pense la deuxième question, c'était. La deuxième question, c'est remplacer G0 par le poids propre réel de la semelle et vérifier la portance du sol. Deuxièmement, vérification de la portance du sol. Vérification. Alors, pour vérifier cette semelle, on calcule la vraie valeur de G0. Le poids réel de la semelle. Donc le poids propre de la semelle, ça sera 1,90 m fois 1,90 m fois 0,45 la hauteur fois le rho béton armé qui est 2500 décanewtons par mètre cube ou bien 2,5 tonnes par mètre cube ou bien 0,025 méganewtons par mètre cube. Donc faut juste utiliser la bonne unité. Donc, je laisse ici en 2500 et après je fais la conversion. Ça donne ici 4 tonnes. 4000 décanewtons. C'est à peu près 4 tonnes qui est égal à 0,04 méganewtons. Donc vous voyez, on a fait une estimation avec 1,5 tonne. Mais en réalité, la semelle, elle fait 4 tonnes. Donc là, il faut calculer. Alors, 1,35 fois G0, ça donne 5,49 tonnes. C'est 0,0549 méganewtons. Donc, vous voyez, 4 chiffres, c'est bon. Parce que, imaginez que j'enlève le 9, hein? Ça devient 0,054 méganewtons, c'est 5,4 tonnes. Donc j'ai déjà fait tomber 90 kilogrammes. La contrainte exercée par la semelle, c'est la force sur la surface de contact. Et cette contrainte de la semelle doit être toujours être inférieure ou égale à la contrainte de calcul. C'est ça la vérification qu'on va faire. La force étant Nu plus 1,35 G0. C'est pour cela que j'ai calculé 1,35 G0. Divisé la surface de contact, c'est A' fois B'. Et vu qu'on a une semelle carrée, c'est B' au carré. Alors, c'est 0, 0, c'est 1. 0,035. D'accord, là, j'ai eu 1,035 méganewtons plus 0,0549 1,35 G0 divisé Radin B', 1,9 au carré. Tatini, 0,30 mégapascal.
Est-ce que c'est inférieur à ou égal à sigma Q? Qu'est-ce qu'on a fait? Eh 0,3 gigapascal. Est-ce que notre semelle est bien le sol, il est vérifié sous la semelle? Oui. Donc le sol peut supporter la semelle. Si par contre, je trouve une valeur supérieure strictement à la contrainte de calcul du sol, dans cela, il faut augmenter la surface. Donc, qui fait que je ne taille pas faire, ça va faire. Ça va faire, qui fait taille faire le câble fil B plutôt. Câble fil B, donc allez-y, tout ça. D'accord. Et on refait le calcul. Donc, ceci, c'est la deuxième question qui est par rapport à la vérification de la semelle. Justement, les dimensions données par la suite des calculs, c'est 2 mètres, 2 mètres et 60. Donc, ici, troisième question, on donne, donc, les calculs qui t'amènent, les valeurs, A' égale à B' égale à 2 mètres, ou H, il faut le carré, c'est 1 centi. Bien avec le même chargement et tout ça. Pour calculer ceci, on va calculer tout d'abord sur une direction et ensuite calculer dans l'autre direction. Pour cela, j'ai besoin de calculer de nouveau D0,1, c'est A, en fonction de Ravier. Donc c'est B' moins B sur 2. Alors il y a 2 mètres. Ou bien 200 cm moins 30 cm sur 2. C'est 85 cm. Ensuite, le calcul, c'est de D1 à la H moins 5. C'est 55 cm. Parallèlement à B', parallèlement à B', on détermine F1. F1, c'est NU fois D01 sur 4 D1 sur 4 T1. NU est 1,035. D01, ils aiment rouler en mètres. 0,35. Faire attention, elle vient en mètres. Hat. À la 4. D1, kif kif, toi, les en mètres. 0,55. Ça donne une force, c'est égal à. Bien sûr, quatre chiffres après la virgule. Il est canadien, 0, 3, 9, 9, 8 méganewtons. Nous avons trouvé à 0,3. Faites attention. Je vous coule. Taur, il est trouvé à 0,3. Comme le calcul, maintenant, on a fait 9,30. Presque 10,30, on a fait 10 tonnes. Donc, faites attention, méganewtons. Ou la tête de ou qui fait dit quelque les ferraillages, soit tu as pas de la bulle méganéton. Ah, t'as des canutons, c'est une faible force. L'acier est parallèle à 1, chikun, F1 sur FED. Hein? FED, qu'on a FE. Sur gamma S, il y a 400 à la 1,15, 348. Donc, oui. Nam? Non. Oui. C'est avec l'effort ultime. Oui. En effet.
Ah. Ultime. Ah. C'est 0, 3, 9, 9, 8 sur 348. Pour retrouver en centimètres carrés, ça fois 10 à la puissance 4. Prête à 11,49 centimètres carrés. Et l'acier retenu, pour une fessuration qui est préjudiciable, c'est 1,1 fois AU1. C'est 1,1 fois 11,49. 11,49, c'est 12,64 centimètres carrés. Le choix de l'acier, j'ai trouvé 17H10. Donc, un choix. Avec un schnack de blahdid Ashra, tu cours crabe le bas, les bas, ton chauffe au cadet. Voilà. Donc, ici, j'ai fait 17H10. Partage les Ashra. Voilà, nous avons 12H12. 17H à 10, ça me donne 17 fois pi sur 4. Je n'ai pas fait le calcul ici. Donc 17H à 10, c'est 17 fois pi fois 1 carré sur 4. Vous voyez, c'est 12 fois pi fois 1,2 au carré. 4. Ouais. On va dire 5. Voilà. Ok, maintenant, je dois l'espacement. L'espacement, c'est A prime, bien kif kif B prime. نحيو 5 من ونحيو 5 من دونك ا بريم هي قد 2 متر دونك 200 موان 2 فوا 5 سور لو نومبر دو سباسمون اللي هو 16 راه فات سو كالكول لي سباسمون سي جي با في سي 11 11 11,8 cm. Donc, on va mettre des barres espacées de 11,8. Et ici, l'espacement, c'est sera certainement plus grand, vu qu'on a un nombre inférieur de barres. Donc, chikun, voilà, 17 cm. Personnellement, bon, parce que l'espacement n'est pas très grand, je choisis ce choix. Donc, je choisis ce choix. Et ensuite, parallèlement à A', je dois déterminer de nouveau des quoi? Des deux. Pourquoi? Parce que donc, c'est très important de la comprendre. Donc, tefhamou. Alors, kif nhatou les armatures l'ouela parallèles à B'. En cas de moment, les armatures parallèles à B'. Les autres armatures qui sont parallèles à A', c'est-à-dire dans cette section, on va les mettre sur pour. Donc, D pour ces armatures, elle sera inférieure à D pour les armatures qu'on a calculées tout à l'heure. Donc, il y a D2. Ça sera D1 et je vais enlever la distance d'une barre d'acier, moins 1,2 cm.
C'est H12. Ça donne 53,8. Donc c'est quoi? Il y a D1. Pourquoi je prends D1? D1. C'est 55 moins 1,2. C'est 53,8 centimètres. Et je fais le calcul de nouveau de F2. F2 est NU fois D0,2. Alors D0,2, c'est A' moins A sur 2. Et 9, ça D0,1 qui est 85 cm sur 4 fois D2. Ici, le calcul de F2, ça donne 0,0 0,4088 méganewton. AU2, c'est F2 sur FED. Je trouve 11,74. A2, c'est 12,92 centimètres carrés. Et madame, 12 H à 12, c'est 13 qu'à 57. Donc, soit 9 séchés, 12 H à 12, parallèlement à prime, ou l'espacement, taham, chikung, kif, 17,2 centimètres. Donc, voilà le calcul de farayage. Ici, le calcul et la dernière question, c'est de dessiner les armatures dans les deux sens. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? On met la première barre. Heureusement, ici, ou bien c'est facile d'utiliser le dessiner pour une femelle qui est carrée. Alors, kif-kif. 2 mètres, 2 mètres. Elle y a 60. Notre poteau carré 30, il y a kif-kif 2 mètres. Deuxième barre, qu'est-ce que c'est là? Qu'est la distance de 17,2. Et elles finissent jusque-là. Les dessins dans le sens A prime ou la B prime, c'est la même chose. Dans l'autre sens, exactement le même ferrage. Le problème, c'est lorsqu'on a un ferrage différent entre deux sens. Voyez, kif-kif, l'espacement, c'est 17,2 cm. Nous avons ici. Par exemple, elle est à 2, 12, H à 12. Elle est à 1, 12, H à 12. Le ferraillage, si, hop, bon, si je fais une coupe comme ça, donc elle est, c'est à 1. هو من لوط على فوق منه هو A2
ديما ان لوطا من هو دو باش لازم نصور من سيركل هنا دو دونك موتي هنا دونك يلزمني 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 و l'espacement لازم يكون constant هو نفس الشيء 17,2 سنتيمتر et si on veut faire un bon dessin on ajoute comme je vous ai montré dans la vidéo de calcul l'acier d'attente pour les prépoteaux les 3-4 minimum et c'est le ferraillage de la semelle dans les deux sens et on peut dessiner notre poteau centré voilà qui est 30 fois 30. Donc attendez-vous à avoir quelque chose qui est comme ça dans l'examen de en 2 semaines qui part d'une semelle. Ça peut être une semelle isolée, ça peut être une semelle filante. Donc revenez au cours ou bien la vidéo qui parle où je fais la correction d'un exercice d'une semelle filante. Et la deuxième partie de l'examen, ça sera le calcul par la méthode CAFO. Ça ne sera pas très long à faire. Je vais essayer de trouver plutôt l'examen de juin 2018 et faire la correction dans une autre vidéo, surtout pour la méthode CAFO de calcul des sollicitations dans une poutre continue. Donc, comme deux parties, vous allez les réviser. Semelle, filante ou bien isolée, c'est le même principe. Et ensuite, le calcul d'une poutre qui est continue. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, je pense. Oui, semelle filante. Les deux. Parce que c'est le minimum, c'est le maximum entre plutôt le ferraillage qu'on a trouvé sur 5. Non, 1,6. C'est en fonction de l'acier. Donc, comme non, non, je maximise. Parce qu'on va utiliser une seule nuance d'acier. Et là, je vais faire 500. Voilà, je vais faire 500. Je vais faire 500, je vais faire 400. Et quand je vais faire 400, 1,6, c'est 2 fois 2 cm carrés par mètre. Les gars, je n'ai pas besoin de 500, je dois aller 1,6 cm carrés par mètre. On parle de la question de A sur 5. Donc, c'est la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hein? Oui. قداش طولها هي لي بريم فوا دو لا سيكسيون دونك فوالا جو فو ريمارسي سيل يا كلكو شوز جو في لا ميتر سور لا كلاس روم سينون سور لو سيت كي جو كي فيان دافيشي اي Bonne chance.